Après près de 2 ans d'inactivité, Taina, le village qui avait été construit à Saint-Gabriel-de-Valcartier pour la saga Barkskin est à nouveau en fonction et utile pour deux jeunes de Québec. On se rappelle de ce beau projet de National Geographic, d'ailleurs, qui était la plus importante série qu'on avait tournée à Québec. Ça remonte à l'été 2019. Eh bien, avant que le décor soit totalement démoli au cours des prochains jours, deux jeunes cinéastes de la région peuvent en bénéficier pour leur propre court-métrage. On a eu un village, puis on en a profité. Les amis Thomas Dufour et William Quentin ont trouvé l'endroit rêvé pour leur court-métrage Poudre Noire, dont le scénario se déroule au 19e siècle. Poudre Noire, c'est l'histoire de 4 gars qui sont envoyés dans un autre village. Pour ce faire, ils vont devoir traverser une forêt. C'est 4 gars qui se connaissent pas, donc la chimie est plutôt négative. Puis tout ça finit en chasse à l'homme. Beaucoup d'effets spéciaux, puis on s'embarque plus dans un style américain que ce qu'on faisait avant ça comme court-métrage. C'est en étant lui-même figurant dans la série Barkskins en 2019 que William a découvert le village historique qui avait été monté de toutes pièces à l'époque. J'avais adoré tourner là, puis je me rappelais, il était où le village? Pas tout le monde, à part ceux qui ont été sur le plateau qui savent c'est où. Là. Je me suis rendu au village, j'étais allé cogner aux portes des voisins pour demander le terrain. Maintenant, il appartient à qui, vu que National Geographic n'ont pas renouvelé pour une saison 2 de Barkskins. Le village était comme abandonné, si on veut. Donc, j'ai réussi à rentrer en contact avec le propriétaire du terrain. Je suis allé chez lui, j'ai parlé du projet, si on pouvait faire de quoi, s'il y avait possibilité de tourner là. Ils ont dit qu'ils allaient le démolir pour le 15 juin, il n'y aura plus rien. Il fallait faire vite avant que le village ne soit détruit. Les deux cinéastes se sont mis en mode action entre mars et mai. Ça m'a permis d'éviter de procrastiner. J'étais toujours devant mon ordi. Tous les soirs où William et moi, on s'appelait, on peaufinait le scénario. Pour le projet Poudre Noire, ce sont 8 jours de tournage, plus de 40 participants, acteurs, figurants, membres de l'équipe technique, tout ça avec un budget de moins de 2 000 $. C'est un métier de débrouillard. Donc, je me suis dit qu'en fait, pour retourner dans le passé, on n'a pas besoin de plus que des vêtements et les décors. En fait, les décors, c'est principalement la forêt. Je pense que c'est assez crédible, on va y croire. J'ai bien hâte de voir le résultat final. Les deux jeunes cinéastes espèrent faire une tournée de festival en 2022 et que leur film Poudre Noire soit dévoilé au grand public en 2023. Taïna Lavoie, TVA Nouvelles, Québec.